Les cheminots sont lancés dans leur dernière semaine de préparation. À moins de 6 jours du premier match de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1 face aux Kamikazes de Lubumbashi Sport, Christian Braconi et son staff ont axé la séance de ce mardi 15 septembre 2021 sur les travaux physiques en salle. Effectivement, on avait un match qui a été reporté, donc on a dû s'adapter une nouvelle fois et on avait besoin d'une séance de renforcement musculaire. Lié aussi à la prévention, donc c'est pour ça qu'on a opté pour cette journée, cette matinée plutôt en salle de musculation où on a retrouvé tous les joueurs sur des ateliers différents, haut et bas du corps, de manière à renforcer musculairement, de manière à faire aussi de la prévention. C'est des choses qu'on travaille beaucoup en début de saison et puis à l'entame de la saison également, donc on a un programme qui est en place, un protocole qui est en place et on va le suivre tout au long de la saison. Le niveau est beaucoup plus élevé que la dernière fois qu'on avait eu cette interview. Les joueurs ont beaucoup travaillé, on a eu heureusement avec les reports des matchs des séances supplémentaires, ce qui ont été bénéfiques, on a pu travailler la puissance, chose qu'on n'avait pas fait avant la date initiale du championnat. Donc pour nous c'est du pain béni parce qu'on a pu, vraiment mettre en place aussi pas mal de travail tactique. Et je pense qu'aujourd'hui l'équipe elle sera pas loin parce qu'on a quand même une charge de travail importante, on a beaucoup de mise en place et je suis très très content du groupe qui travaille très très bien, je tiens à le signaler parce que c'est un groupe très réceptif qui a envie de travailler, qui progresse. On voit des progrès notables depuis le début de saison et je trouve qu'il y a un bon état d'esprit avec une bonne ambiance de travail. On sait être sérieux, on sait rire quand il le faut et l'apport aussi de joueurs d'expérience et la jeunesse d'autres joueurs font qu'il y a un bon amalgame qui a pris, la mayonnaise a pris et je trouve que c'est un vrai plaisir de les avoir au quotidien et de travailler avec eux. Le programme, on a fait une grosse séance hier sur le terrain, on a fait une séance assez forte aujourd'hui. Et donc du coup on va laisser repos demain toute la journée parce que les joueurs ont besoin aussi de récupérer. On sait que la récupération se manifeste pendant le repos. On va travailler ensuite vendredi, samedi, dimanche et on va être vraiment sur la préparation du match sur ces 3 prochains jours. Arrivé dimanche de la capitale où il a séjourné pendant 2 jours, Dark Jones Kabangu Kadima était à son 2e entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. Il apprécie l'ambiance au sein du groupe et promet de réaliser une saison mémorable. L'ambiance elle est bonne, j'ai retrouvé presque tout le monde dans l'entraînement et voilà, il y a déjà quelques amis et on essaie déjà de parler, de discuter, donc tout se passe très bien. Mais qu'il puisse être juste prêt parce que le Kuluna, il est là et il fera le boulot. Merci.